vois ça la main boyer, mon pied. Et je fais jalousie bien placée, oh maman. L'amour s'en va, et il est resté plus rien. Tu m'as failli, ma chérie. Je suis touché, mais je pardonne. Oh ma belle. Une personnalité, mesdames et messieurs. Il y a d'abord le don de produits vétérinaires offerts par le ministère de l'élevage, de pêche et des industries animales. Il y a société d'État. Excellence, monsieur le gouverneur de la région, s'il vous plaît. Mot suivant, monsieur le directeur général. C'est le sous-préfet. C'est les sous-préfets. Ils se sont abattus ces dernières semaines. Sans des dégâts se poursuit encore. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Oh, mon frère, oh. Tu n'as pas besoin du son. Je veux le son. Le procès de ça. Je veux que le préfet vienne immédiatement. Je crois.
Voilà, je vous donne ça immédiatement. Voilà. Bon. Non, pardon, pardon, c'est doux. Monsieur le préfet, voilà. Monsieur le préfet. Voilà. Il donne et moi je donne au préfet. Monsieur le préfet, prenez ça. Attendez un peu, s'il vous plaît. Thérion ne peut pas rester insensible aux douleurs et aux malheurs des populations de la région du Nord. C'est pour cela donc que nous avons aussi pensé pouvoir apporter notre petite et modeste contribution à la population sinistrée. Cette contribution nature est composée de du Nord. C'est pour cela donc que nous avons aussi pensé pouvoir apporter notre petite et modeste contribution à la population sinistrée. Cette contribution nature est composée de riz, de l'huile, de sucre, ainsi que le matériel tel que les nattes, les matelas, les couvertures, sans oublier évidemment l'huile, le tourteau et aussi un lot de médicaments pour une valeur totale de 15 millions de francs CFA pour la région du Nord. Et jeudi prochain, nous allons également organiser une cérémonie semblable à Maroua et à l'occasion de laquelle nous ferons ce type de don en faveur de la population sinistrée de l'extrême nord. J'ai également saisi l'occasion pour dire que la Sodecoton elle-même, elle est victime de ces inondations dans la mesure où des champs de coton ont été également emportés par ces pluies. Nous sommes en train d'évaluer les dégâts. Et j'espère donc d'ici une dizaine de jours, nous serions en mesure donc de déclarer soit le manque à gagner, soit la perte sèche que la Sodecoton va enregistrer à l'issue donc de l'exercice en cours. Que nous encadrons, nous avons déjà exprimé toute notre sympathie et toute notre solidarité vis-à-vis de ces producteurs sinistrés. Et je pense qu'à la fin de l'exercice aussi, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons étudier si la Sodecoton pourra prendre ne serait-ce que partiellement la perte partielle que ces producteurs vont dégager, puisqu'ils ont investi, ils ont acheté des engrais, ils ont utilisé ces engrais, mais tout cela maintenant c'est à fond perdu. Il faut bien que la Sodecoton puisse apporter également sa petite contribution à cette frange des professionnels avec qui nous travaillons en parfaite
harmonie et une imparfaite collaboration depuis...